se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous pouvez voir, vous allez pas trop m'entendre. Je suis assez fatigué. Vous allez pas trop m'entendre. On va se calmer, il fallait que je fasse une vidéo. C'était obligé. Parce que moi, je vous le conseille pour faire du VTT débutant. Sur la route, franchement, c'est nickel. Celui-là, parce que franchement, il est assez léger. Lui, je crois qu'il fait 12, ouais, 12, 13 kilos, 12, ouais, 12 kilos, moi je dirais. Et je crois que j'avais lu 12 ou 13, je me rappelle plus. Mais c'est 12 kilos, je pense. Franchement, il est top. Ses suspensions aussi, elles sont top. Franchement, je l'ai acheté, mais je vous le conseille, quoi. C'est pour ça qu'on s'est arrêté et je fais cette vidéo. Et du coup, sur la route, il y a beaucoup de vitesses. En fait, il y a 3 plateaux, 8 vitesses. Et franchement, on peut aller hyper vite parce que franchement, avec celui-là, tu sens la vitesse aussi. Tu sens la vitesse sur la route. Et voilà, en plus, frein à disque hydraulique, si je dis pas de bêtises. Ouais. Frein à disque hydraulique ici et ici, avant-arrière. Fourche, c'est du 100, franchement c'est super. Voilà, du coup c'est un 27 et demi, c'est Nakamura. Je vous mettrai dans la description si vous voulez ce vélo, franchement il est super. Après, si vous voulez l'alléger, par exemple vous voulez qu'il fasse 11 kg ou carrément si vous voulez 10 kg, par exemple 10 kg comme mon vélo rouge de compétition, c'est hyper léger. Franchement, un vélo trial, vous voyez, ça fait 8 kg, 9 kg. Et franchement, si vous l'allégez, il faut peut-être alléger le guidon. Tu vois, enlever un plateau, comme j'ai fait à l'autre. J'ai enlevé le troisième plateau parce qu'il sert pas trop à grand chose. Parce que moi, je fais pas trop de la route. Mais si vous faites beaucoup de route, je vous conseille un troisième plateau. Gardez le troisième plateau, après vous pouvez changer. Je sais pas, plein de choses, je sais pas, franchement. Mais nous, on va changer le guidon, je crois. Et la potence, et ça. Les tubes de sel. Franchement, hop, voilà la forêt. Là, c'est une autre forêt. Voilà. Hop. Voilà, du coup. Attends, on va le tourner. Voilà. Bon, du coup, franchement, il est hyper classe. Frein, franchement, il marche hyper bien. Pour débutants en VTT, si vous voulez faire du VTT débutant. Hop, voilà. Voilà, si vous voulez faire du VTT débutant. Franchement, je vous le conseille direct. Parce que franchement, c'est le prix aussi raisonnable. Je sais pas s'il est encore en remise. Mais il était en remise de 200 euros. Ouais, en remise de 200 euros. Et je l'ai eu du coup à 399 euros. Ça veut dire 400. Ouais, 400. Voilà, je l'ai eu à 400. Et franchement, vous changez, je sais pas moi. Les pédales en plus elles sont en plastique, du coup si vous voulez mettre en fer, tu as des trucs de. Voilà, des trucs un peu plus de détails. Des. Ouais, changer des trucs, mettre un peu. Une fourche, franchement elle a beaucoup de débattements. Et franchement c'est une 100, tout faire. Franchement vous pouvez tout faire. Si vous voulez faire des wheelings sur la route, des cabrages, des manuels, tout ce que vous voulez. Et bien, en fait il faut beaucoup d'entraînement. Il y a mon copain, j'ai invité un copain et franchement à la base c'était pour faire un exposé et en fait à la fin on avait fini l'exposé et on avait le temps de faire du vélo. Du coup j'avais prêté celui-là à mon ami et franchement tu vois il avait mal au genou, il était tombé. Il était tombé, il pouvait presque pas faire du vélo. Et il a voulu essayer de faire des wheelings. Du coup, il a essayé et quand même, il a réussi, tu vois, à presque faire un manual, le truc. Le truc, il a commencé, franchement, c'est un bon début ce qu'il a fait. Franchement, s'il s'entraîne, je sais pas, s'il s'entraîne deux mois tous les soirs en train de l'école, le week-end, voilà, ben, franchement, ouais. Franchement, là, dans un mois. Il sait faire des wheelings presque comme moi. Franchement, ouais. Au moins 50 mètres ou plus, peut-être.
Voilà, du coup ça dépend après on s'entraîne comment. Franchement lui, franchement j'aime bien. En plus jante noire. Ouais bon ça c'est. Ouais tous mes vélos, ils sont jantes noires parce que j'aime bien jantes noires et voilà. Et je trouve que ça fait stylé, on voit pas les rayons et c'est plus stylé. Voilà, je trouve ça plus joli. Après voilà de face, il ressemble à quoi? Alors, vous allez dire là, voilà. Xtrame X4 8. Franchement, je vais vous montrer la musique après. Je vais vous montrer la musique sur cette route. Des wheelings, de la vitesse, les accélérations aussi. Franchement, il est pas mal pour ça. Et franchement, c'est énorme. Après, je vous montrerai pas trop à la forêt parce que. À la forêt, on vient de croiser un serpent. Je ferai vite fait peut-être le tour, mais voilà. Et en plus, c'est un peu mouillé, mais ça va, c'est pas grave. Voilà, du coup, franchement, je vous le conseille, mes conseils. Je conseille mes conseils. Du coup, je vous mets, si vous le voulez, je vous mets tout ça dans la description. Et vous cliquez sur le lien. Et vous pouvez l'acheter, quoi. Voilà, après moi je les trouve Intersport, voilà. J'ai mon père. Intersport en fait, franchement, tu vois, il y a un copain qui est venu faire du VTT un jour là et il avait un Bitwin. C'est Decathlon, jaune comme ça. C'est à peu près pareil, mais il y a tout qui change. Le Bitwin, parce que le Bitwin, j'ai vu, il a frein, les freins ils sont pas noirs, ils sont pas, ils sont, je sais pas. Ça freine mal déjà, parce que je sais pas, mais ça freine mal, là c'est pour à peine t'appuies, hop, ça freine d'un coup. Voilà, après il y a faut les vitesses, ça se passe un peu mieux. Franchement, ces vitesses comme ça, franchement c'est mieux que. Il y a des vieux vélos comme ça, là où c'est comme ça, sur le guidon, mais c'est nul. Et voilà, après, franchement, ça change bien les vitesses. Fourche et marche au top. Oh, quand j'ai vu, quand j'ai testé ce vélo, j'ai fait oh punaise, les fourches. Franchement, c'est pas un enduro. Du coup, là, on va rouler et franchement, il est top ce vélo. Et la vidéo juste avant, ah non, juste avant, j'avais dit que j'allais recevoir un micro et du coup, elle peut pas avoir du micro. Eh bien, je sais pas ce que je vais faire, mais du coup, je pourrais pas filmer et je pourrais essayer de parler assez fort. Essayer de parler assez fort pour que vous entendiez. C'est hyper dommage que j'ai pas ça, quoi. Que j'ai pas de micro. Franchement, c'est ça, c'est une GoPro Hero Plus. GoPro Hero Plus. Attends, GoPro Hero Plus. LDG ou LVC, je sais plus quoi, là, voilà. Du coup, j'avais, voilà, c'est. J'ai peut-être acheté une autre GoPro, par exemple. J'ai peut-être acheté la GoPro Hero 3. Et je pense que je vais acheter la GoPro Hero 3 ou la. Ouais, je pense la Hero 4. Du coup, je vais peut-être acheter la GoPro Hero 4 que la GoPro Hero Plus. Et je vais la vendre. Du coup, peut-être en description, quand je vous ferai une annonce, quand je vendrai cette GoPro. Et quand je la vends, je vous le mets dans la description. Voilà, voilà. Je pense que je vais le mettre sur le bon coin. Voilà. Il est super, super. Franchement, il est trop bien. Voilà. Il freine bien. Franchement, le guidon aussi, il est pas mal. Voilà, regardez la vue. Voilà, ça donne comme ça.